droit à faire quoi concrètement, Teddy? Donc là, en fait, voilà, je suis parrain d'une, bah, d'une section handicap, ouais. Donc à Douchy. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, c'est un peu le goûter de Noël. Ouais. Donc voilà, ils ont voulu que je sois présent et puis ils vont recevoir des survêtements. Ouais. Et puis moi, de mon côté, un petit plaisir personnel, un maillot à chaque c'est enfant. C'est ça, parce que tu étais en train de ranger dans ta voiture. En train de ranger. Parce que là, ils sont en train de s'entraîner et après, on va aller donner le goûter de l'autre côté. Et voilà. On est chez toi ici là? On est chez moi ici, ouais, moi j'habite juste derrière, donc ouais. Voilà, ça fait plaisir d'être là surtout. Ouais. Et je le fais avec grand plaisir et tu vas pouvoir voir que voilà, ils trichent pas. Quand ouais. Là, c'est par plaisir et voilà, il y a de la joie, il y a un peu tout, hein. Il y a des handicaps un peu plus forts ouais. Que certains. Mais tu vois que voilà, ils trichent pas avec toi et puis ils sont naturels. Et c'est ça qui fait plaisir. On va voir ça là. On va voir. Allez, vas-y. Ça. On y va, tu vois. Ça me baraque ici, mais. Ça va? Ouais. Les parents qui ont des enfants handicapés, voilà, ils entendent qu'il y a une section qui est ouverte ici et que tout le monde peut jouer au foot, tout le monde peut venir s'amuser et voilà, tu dois pas, c'est pas parce que t'as un handicap qu'il faut rester chez toi. Et moi, c'est ce que je veux faire passer comme message. En fait, là, c'est une section. À voir dans le futur s'ils vont pas faire une association. Okay. Déjà, là, je vais voir comment ça se passe, ouais. Voir si elle allait avoir des enfants qui allaient venir et tout. Voilà, on peut voir qu'il y a du monde, donc ça fait plaisir. Ok, ça a été lancé quand il y a... C'est récent, ça a été lancé, je pense que ça a été lancé au mois de septembre. Et puis après, les choses se mettent en route, et puis vu que c'est une belle petite réussite, et voilà, et le but de cette section, c'est que voilà, tout le monde peut faire du sport. Voilà, même avec un handicap, voilà, ils vivent, et puis ils peuvent s'épanouir pendant 2 heures, donc ça vient le sourire. Okay. Et puis surtout, ça fait du bien aux parents parce que souvent on pense pas que les parents ils sont aussi touchés parce que ouais. Par rapport au regard des autres, etc. Moi j'ai déjà parlé avec eux, c'est vrai que ça fait mal. Et que eux, de voir leurs enfants avec des gens normaux, entre guillemets, c'est aussi difficile de voir parce que c'est pas facile. Mmh. Il y a des moqueries, il y a plein de choses comme ça. Donc d'être là avec cette section, ça permet aussi aux parents de souffler pendant 2 heures et puis, oui, c'est de ça parler aussi, entre eux. Parce que ça... Allez, tu le regardes quand, Teddy? Tu vas au stade du Hainaut? Comment ça se fait que tu n'as pas regardé? C'est la première fois que je n'ai jamais été dans un stade et tout. Ma mère, elle a pas d'argent. Et alors, mais tu viens faire du football ici? Ouais. Ouais, et alors c'est bien la section? Ouais, trop bien. Tu fais quoi? Je sais pas, moi, des pénaltys. Ouais. Des coups francs, je sais pas. Ouais. Et là, aujourd'hui, il va se passer quoi? Alors, comment ça se fait que Teddy est venu? On va faire un par club. C'est vrai? Ouais. Et après, je ne sais pas. Après, je pense que c'est pour aussi faire plein de trucs. Oh, vous êtes content d'avoir comme parrain Teddy Chevalier? Ouais. Salut les gars. Salut. Ambassadeur parce qu'on a fait récemment le 5 et 6 décembre le Solidathlon et les dons sont reversés pour la session aujourd'hui on est venu faire la remise et puis aussi se dépenser avec les enfants bien. Et franchement on est content de... Je ne m'attendais pas au monde mais c'est très bien. C'est bien. Ouais, bien. D'ambassadeur et voilà, c'est tout l'événement. Nous tenons à cœur de venir voilà, avec les enfants. Voilà. Ouais, c'est bien. On va aller, on va faire parler.
Merci d'être là. On va et montrer à tout le monde que voilà, il se passe quelque chose voilà. Ici. En même temps, ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Ouais, alors on a rendez-vous là, comme je t'avais expliqué, donc on est labellisé maintenant. Donc le prix, on le reçoit le 5 février à Liéma, donc à l'Arena. Ouais. Ensuite, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura d'autres choses de programmées durant l'année avec les financements qu'on a récupérés là, de la part de Decathlon parce que ça veut dire aussi que bah, les gens sont sensibles à ça. Ah mais c'est bien, après chacun participe comme il a envie, mais on lui demande bien. Ah ouais, c'est bien. C'est bien qu'on fasse un degré. De 1, 2 et 3. 3 étant le degré le plus important, ce qu'on appelle une déficience mentale sévère. Okay. Et donc, bah voilà, ces gamins ont plus une déficience mentale légère, qui sont au stade 1. D'accord. Tu vois, mais si on s'en préoccupe pas, bah, ça va pas. C'est comme tout. Si tu t'occupes pas d'un gamin chez toi ou un truc comme ça, bah forcément, ton gamin il perd des acquis, on s'en occupe. Après, voilà, il faut forcément qu'il y ait... Quand on a voulu avec Fanny ouvrir cette section, c'était bien justement pour accueillir l'ensemble. Non, c'est bien, c'est ce que j'expliquais. Ouais. Il ne faut pas délaisser et puis voilà, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde est la bienvenue. On a dans l'équipe des 15, là, aux 14 ou 15, on a des gamins qui sont au papillon blanc, mais on a aussi des gamins qui sont dans les écoles normales, mais à qui il faut amener un petit plus. D'accord. Et souvent, dans certains clubs, ils se font jeter parce qu'ils ne comprennent pas les consignes, parce que tout ça, tu vois. Donc avec Rani et puis surtout avec Bouchy, on a surtout bien voulu montrer que voilà, l'exclusion, elle doit commencer, mais pas par le sport. Exactement. Donc forcément, si... Ben voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on veut avec Rani, c'est que ce soit ouvert à tous. Et ça fait du bien aux deux. Alors, ah, parents, exactement. Les parents ont besoin aussi parfois, je pense, de souffler parce que ça ne doit pas être. On a besoin de souffler. C'est exactement. Sûr que quand je vois, tu vois, les gamins qui sont en degré 1, ça va, ils se débrouillent tout seuls. Moi, le mien, il me faut une, mais je ne suis pas tout seul. Un parent tout le temps avec. Je peux pas le laisser tout seul. C'est impossible. C'est pour eux, et on est là, on leur fait plaisir. Et moi aussi, en retour, franchement, ça me fait super plaisir. Le dernier qui est venu, qui t'a pris une photo, là, son idole, c'est Ronaldo. D'accord. Il y a un de ses copains dans le camion, il dit. Bah ouais, mais Ronaldo, tu le verras jamais. Ouais, alors que t'es dit, parce que le deuxième, il a une photo de toi sur son portable. D'accord, avec lui, okay. Quand tu étais venu la dernière D'accord. fois. Alors il dit, bah tu vois Ronaldo, tu le verras jamais. Mais regarde, t'es dit, on l'a vu déjà. Et il lui a sorti son portable. Donc tu vois, c'est quelque chose d'important. Non, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas de filtre en fait. Ils lâchent ce qu'ils doivent dire, ils vont le dire et voilà. Et c'est ça qui nous, nos gamins, ils n'ont pas, si tu veux, ils n'ont pas d'arrière-pensée méchante, ils ont pas, comme tu dis, ils n'ont pas de filtre. Ouais, donc forcément, après, bah, quand ils discutent, ils vont discuter comme ils discutent avec moi, comme ils vont discuter avec toi. Tu vois, pourtant, moi, je suis le président de l'association. Donc parfois, tu vois, les gens, ils mettent des barrières parce que le président, moi, il m'appelle tout ça là. Ils savent que je suis le président. Ouais. Mais voilà, on va au-delà de tout ça. Et puis le principal, c'est qu'ils soient heureux, que les parents soient heureux. Et puis, bah, s'ils si contribuent, c'est ça que j'ai mis à plein, c'est ça. Que je sois un bon parrain, parce que quand tu es parrain d'une section ou d'une association, il faut être présent. Et voilà, j'essaie d'être présent. Et puis voilà, ça passe par là. Donc voilà, j'espère qu'ils seront heureux. Et puis après, voilà, je ne sais pas ce qu'ils feront avec, mais. Bah, ils vont le porter, je présume. Je pense, Ils vont le porter ou ils vont l'accrocher dans leur chambre. Ouais. Hein, parce que je sais que Donovan, par exemple, dès qu'on lui donne quelque chose, un maillot, les posters que tu avais ramenés la dernière fois, tout de suite, sa mère, elle me dit « Ah, j'ai pas eu le droit d'y toucher. » Il l'a affiché dans sa chambre. Ouais. Oh, voilà, donc tu sais où ça va finir. C'est comme moi, quand j'étais gamin, t'as un maillot d'impro, t'es fou, hein, soit tu l'accroches, soit tu le mets, puis... Surtout, tu dis à ta mère, ah bon, tu le laves pas celui-là. Bon, ta mère, elle le lave un peu dans ton dos, parce qu'à un moment, il faut le laver. Mais bon, non, mais bon, c'est pour leur faire plaisir. Et puis, c'est fait avec de bon cœur. Et... Il est loin le temps, il y a 12 ans maintenant, du gamin qui montait en CFA avec l'équipe réserve sur le stade Ningesser. Ah ouais. Et là, 12 ans plus tard, 10-12 ans plus tard, il était, entre guillemets, j'ai envie de dire idole, mais voilà, tu deviens une référence pour ces jeunes-là, pour un beau truc. C'est fou parce que moi, tous ceux que je côtoie tous les jours, ils me disent mais t'as pas changé, je suis toujours le même. Voilà, pourquoi changer? Moi, je suis originaire de Denain, j'habite à Douchy-les-Mines. Tous les jours, je croise des gens, j'essaie de discuter avec eux, les supporters, pareil. Et c'est vrai que 10-12 ans plus tard, voilà, je me retrouve être admiré comme ça par les enfants. C'est vrai que ça fait plaisir. Mon rêve, c'était d'être professionnel. Je suis arrivé. Ouais. Et retour à Valenciennes. Et alors voilà, donc j'essaie de tout donner pour le club. Et
surtout de faire tout ce qui est autour pour aussi faire plaisir. Ça sent, ça se voit, je le vois, tu vois, tout à l'heure on avait les enfants, ils sautaient sur toi. Ouais, parce que je suis venu à plusieurs reprises et puis voilà, comme j'ai dit, moi quand je viens ici, j'essaie de donner plein d'amour et puis voilà, ça se ressent et voilà, il n'y a pas de filtre, ni pour moi, ni pour eux, donc voilà, on est sincères. C'est cool. Ouais. 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 C'est bon. Ah oui. Fais une photo, t'es obligé. Ah ouais. Ouais. C'est bon. En tout cas, t'as de la chance. C'est pas si je vais pas te le prendre dans le camion. Hein. Ah bah, attends, il est bien. Je veux faire ça, t'as pris.